Hey, arrêtez de vous moquer de moi! Je suis pas une loseuse! Je vous laisserai pas faire! Où tu vas, Skyler? T'as pas intérêt de remontrer ta tête ici. Ou tu vas le regretter. C'est la même chose tous les jours. Pourquoi ça m'arrive tout le temps? Peut-être que c'est à cause de ma coiffure stupide. Et mes boutons! Et ma tenue de naze! Est-ce que j'aperçois quelqu'un qui a besoin d'un relooking? On est là pour t'aider! Heureusement que vous êtes venu. Je suis tellement contente de vous voir. Alors, comment tu vas, Annie? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, on a du pain sur la planche. Ça va, Kim? Skyler, on est déjà en retard. T'es prête? Alors, on s'envole. Et moi, alors? Skyler, concentre-toi. Sors tes ailes de chauve-souris. Yes! J'ai réussi! Rien ne m'empêchera de me faire relooker maintenant. Waouh, vous êtes tellement belle! Est-ce que je peux vraiment devenir comme vous? Bien sûr! Ça demandera juste beaucoup de travail. T'as pas l'air très en forme, Skyler. Tiens, l'ami. Oh, merci, Annie. Très bien, les filles. Suivez-moi. On doit inspecter les dégâts. Les filles? Comment ça se fait que je ne vois pas? Ah, oh, j'avais complètement oublié. Les vampires et les miroirs, ça fait pas bon ménage. T'inquiète pas, j'ai une idée. Oublie pas ces boutons, hein. Et ces pores dilatés. Et fais bien attention à ces poils aussi. C'est bon. Alors, tout d'abord, on va s'occuper des boutons. Ça fait un peu peur, là, tout ça. Mais je ferai de mon mieux. Je vais les éclater un par un. Hey, ça a marché! Ah, mais pourquoi t'as fait ça, Skyler? Chérie, c'est dégoûtant. Oh, désolée. Je vais arranger ça tout de suite. Regardez, on va effacer tous les boutons. Vous voyez? J'ai une peau toute lisse. Oh, c'était juste de la magie de vampire. Maintenant, j'ai plus aucun bouton. Mais faut encore s'occuper des points noirs. Allons-y. Laisse le masque opérer sa magie. T'es sûre que ça va marcher? Mais bien sûr! Tu vas vite le découvrir. Waouh, c'est un super résultat! Dépêche-toi de jeter ça, Annie! Ah, je suis de plus en plus belle d'heure en heure. T'es qui, toi? Les filles, il y a un monstre ici! C'est pas un monstre, Skyler, c'est notre copain, Bobo! Oh, c'est une super idée! Merci, Bobo! On va faire une petite pause spa. Ah, c'est juste génial! Les soins beauté, c'est hyper fastoche. Suffit d'appliquer le masque, s'allonger et se détendre. Oublie pas non plus de savourer ton cocktail de sang. Et on peut même trouver une utilisation sympa pour ces concombres. Dégueu! Tiens, Bobo. Très bien, Skyler. On va enlever ce masque. Alors, je suis une vraie reine des vampires maintenant? Non, non, pas vraiment, non. Regarde-moi cette moustache. Ça te va bien, Skyler? On dirait que Bobo n'approuve pas du tout cette moustache. On va vite se débarrasser de ses poils en trop. On va faire découvrir à Skyler l'épilation à la cire. On va la faire fondre. Excellente idée, Bobo! Est-ce que ça va être dangereux? C'est parfaitement sûr. C'est bon, la cire est fondue. Maintenant, place à la partie la plus marrante. Se débarrasser des poils superflus, c'est extrêmement facile. Applique d'abord la cire et... tire aussi fort que tu peux. Ça fait mal! L'épilation à la cire, c'est pas fait pour les âmes sensibles. Pas la peine de crier aussi fort. J'ai une idée. Attrape Mr. Fluffy, Skyler. C'est pour moi? Oh, il est trop mimi, j'adore! Il sera mon porte-bonheur à partir de maintenant. Pourquoi on n'irait pas se promener, Mr. Fluffy? Regarde-moi toute cette neige! On va faire une bataille de boules de neige. Non, en fait, on va faire un bonhomme de neige. T'inquiète pas, Bobo, il t'arrivera rien. Ça va aller! Skyler, il est temps de te laver les cheveux, je crois. Vaut mieux pas déclencher d'autres tempêtes de neige. Ok, on n'a plus qu'à attendre un peu. Vous êtes sûr que ça va marcher? Oups! Bon, ça arrive à tout le monde d'avoir les cheveux emmêlés, non? On va arranger ça, les filles. Ah, ça marche pas! Il est temps de prendre des mesures drastiques. Non, non, arrête! Oh, je voulais pas faire ça, moi! Oups! Bats les pattes, je vais le faire moi-même. C'est pas une coiffure un peu bizarre qui va nous stopper. Après tout, on peut résoudre n'importe quel problème avec suffisamment d'imagination. Et pour le détail final, est-ce que tout va bien là derrière? Tout va bien, Skyler! On gère! Ouais, tes cheveux sont super! Oh, merci beaucoup! Vous êtes incroyable!
Vous avez complètement changé ma vie. Il est temps pour toi de te brosser les dents, bestie. Je suis vraiment obligée? T'es un vampire, Skyler. Ça veut dire que tes crocs doivent être d'un blanc étincelant. Non! Attention, Annie! T'inquiète, ma chérie. Continue. On va passer au meilleur moment. On va offrir de nouveaux crocs à Skyler. Ça lui va trop bien! Skyler, ferme la bouche, s'il te plaît. Pas de soucis, les filles. Ouh, ça va, Kim? Je crois que oui. Maintenant, on va s'occuper de ton maquillage. Prépare-toi, je vais te rendre absolument magnifique. Fais-moi confiance. Tant que t'es prudente, je veux bien, Annie. Qu'est-ce que vous faites, les filles? Annie est devenue dingue! Je peux aussi te maquiller, Kim. Bon, Annie, tu vas vraiment trop loin, là. Prends ça. Je dois aller me remaquiller, je reviens tout de suite. Merci pour ton aide, Kim. On peut se passer de ça, peut-être? On va juste se débarrasser de cette peinture de plomb. Ouais, ça rend pas mal du tout. Vraiment? Waouh, je me sens tellement jolie. Tu es très jolie. Mais on peut encore ajouter des paillettes. Ils apprennent pas ce truc à Vampireye, hein? Waouh, Skyler, t'es vraiment... Erk, c'est quoi cette odeur? Mais Skyler, c'est quand la dernière fois que tu t'es douchée? On va s'occuper de ça. Un bain de sang t'attend. Ah, c'est tellement agréable et relaxant. J'ai l'impression de faire partie de la famille royale. Fais gaffe, Skyler! Désolée, Annie. Je vais vite filer. Ah, je me sens toute fraîche. Et j'adore mon nouveau parfum. Très bien, Skyler. Faut qu'on s'occupe de ta tenue aussi. Ouais, il te faut vraiment de nouvelles fringues. Fais ton choix, bestie. Laisse les pros faire. Tu penses quoi de ça, Kim? C'est un peu trop... blanc. C'est pas un problème. On va la transformer en une robe digne d'un vampire. Oh, pourquoi on n'ajouterait pas des strass rouges? C'est une excellente idée, Skyler. Ok, maintenant, regarde ta nouvelle tenue. C'est vraiment incroyable. Ça me va trop bien, non? Il me faut encore des chaussures. Maintenant, je suis prête à conquérir le monde. Est-ce que j'ai pas l'air d'un top modèle comme ça? Attends une minute. T'as de sérieux problèmes de posture. Je crois qu'on n'a pas d'autre choix que d'utiliser ce truc, bestie. Tu vas devoir porter un correcteur de posture à partir de maintenant. Je sens que ça fonctionne déjà. Nous aussi, ma belle. Je peux pas vous dire à quel point je suis heureuse d'être enfin jolie. Désolée, Skyler, mais t'as pas encore tout à fait fini. Ouais, il y a encore beaucoup de poils qu'on doit éliminer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, coucou les filles. Ouais, une simple épilation ne suffira pas. On va arracher tous ces vilains poils. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tiens, mais voilà une idée brillante. Ça pourrait marcher. Fais bien attention, Annie. Cette lumière doit uniquement aider Skyler. Oh, ça chatouille. L'épilation à la lumière du soleil a marché. Il n'y a plus un poil qui dépasse de Skyler maintenant. Parfait. Pourquoi on retournerait pas à l'école maintenant, les filles? Génial! Nous revoilà! Mais où est tout le monde? C'est qui cette meuf? Waouh! Elle est incroyable! Coucou les filles et les garçons! Je te tiens, beauté! Oh, Jack, t'es un gentleman! Comment il a osé faire ça? Viens, on se tire d'ici! Que se passera-t-il ensuite entre eux? Ça, c'est une autre histoire! Prenons-la! On t'offrira un iPhone. Non. Ok. Les papiers, s'il vous plaît. Signez-les. Laurie, entre. Oh, mes parents. Des parents millionnaires. Ça, c'est notre fille. Merci, au revoir. Voilà un plan de ta nouvelle maison. Waouh, quelle grande maison. C'est l'endroit pour la console.
Ok, et c'est la place pour les bonbons. Je crois que c'est ici. Un chien? What? Je ne suis pas un chien. Je suis Laurie. Ouch. C'est la chambre de mon chien. D'accord. Et ça, c'est ta chambre. Waouh, cool. Qu'est-ce que c'est? Il y a des diamants partout. N'y fais pas attention. J'adore cet endroit. Papa et moi sommes très heureux. Bonjour. Merci. Bonjour, mademoiselle Laurie. Vous n'auriez pas dû. Bonjour et bon appétit, mademoiselle Laurie. Y a-t-il quelque chose que je dois faire moi-même? Soyez riche, mademoiselle. Ça va être difficile. Mais je peux le faire. Oh! Prenez-en à nouveau. Merci. Une mythe? Un très gros papillon de nuit? Ouais. Et le nom de cette mythe est Laurie. Ça n'ira pas. What? Wow. Les filles de millionnaires ont les meilleures tenues. Wow. Fantaisie. Ouch. Sportive. Désolée. Non, définitivement pas sportive. Maman, c'est confortable. Et riche. La 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 la. Ma poupée. On va prendre le thé maintenant. Pas ça. Comme neuf. Pourquoi les Maldives encore? Eh bien, tu veux aller au Maroc cette fois-ci? Le Maroc, j'aime bien. Bonjour, ma fille. Oh, du thé. C'était cool d'être avec vous. Au revoir. Chérie, ne t'inquiète pas pour ça. La vaisselle des millionnaires est... jetable. Compris. Hey!
En fait, on est des millionnaires. Pas des milliardaires. Nous ne sommes pas encore milliardaires. 34... Non. 58... 36... Combien y en aura-t-il? Environ 300 dollars. Voici 500. Papa, attends! Oui, oui, j'arrive. Maman, mon assistant te contactera. Oh, oh. Oui, ma fille. Tu peux m'aider à faire mes devoirs? Bien sûr, juste une minute. Tada! Voici ton robot d'aide, Polly. Je suis Polly, ton aide. Je m'en vais. Au revoir. Les leçons ne sont pas un problème. Yeah! Yes! Les scratchs ne sont pas un problème. Le dessin n'est pas un problème. What? Hé! Hey! Jouer à des jeux n'est pas un problème. C'est toi le problème! Yeah! Bon appétit. Merci. Oui, oui, des dollars roses en strass. Qu'est-ce que les enfants mangent? De la purée de pommes de terre? Avec des strass. Marché conclu. Super. What? Mange. 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 Allez, mange. Chérie, tu dois apprendre à t'entendre avec l'enfant. Lori! C'est l'heure de dessiner! C'est l'heure d'appeler maman. On a déjà dessiné avec maman. Ouais. Alors, prenons la peinture. Il manque la cravate d'un millionnaire. Oui, papa, c'est vrai. Oh! Monsieur Brandon, je vous vois. Oh non, je suis Tyler. L'argent, 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 l'argent. Argent, 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 argent. Ah. Vous êtes un bon garde, mais un mauvais acteur, monsieur Brandon. What? Papa? Il ne manque plus qu'une cravate de millionnaire. Chérie. Oh.
Bonjour à moi. Non. Joyeux anniversaire à moi. Joyeux anniversaire à moi. Joyeux anniversaire à moi. Alors... Ouais, ouais, ouais. Où est ma grande fille? La voilà. Joyeux anniversaire, ma fille. Merci. Jessica? Merci. Où est papa? Ouvre. Waouh! Magnifique. Où est papa? Ouvre. Ma fille, joyeux anniversaire! Je me suis envolée pour un voyage d'affaires. Tu aimes ton cadeau, hein? Je t'aime, toi! Tu aurais dû adopter ton travail! Capitaine, faisons demi-tour. Je rentre à la maison. Ma chérie... Tu pars en voyage d'affaires, n'est-ce pas? Aucun voyage d'affaires ne peut remplacer ma famille. Oh. Jessica, chérie, venez ici. Dépêchez-vous. Alexa rêve d'avoir une famille. Comme toutes ses copines de la maison d'adoption. Regardez, j'ai téléchargé un nouveau jeu. Poppy Playtime. Waouh, c'est une vraie usine à jouer. Jessica, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tes nouveaux parents sont là. Waouh. Gary, toi aussi tu vas être adoptée. Cool! Hé, les filles, où vous êtes passées? Oh, on m'a laissée toute seule ici. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Comment je suis arrivée là? Salut, je suis Mommy Longlegs. Elle a de sacrés bras. Ça suffit peut-être, non? Désolée, bébé. Je suis ta nouvelle maman maintenant. Et voici ta nouvelle maison. Qu'est-ce que c'est? Oups! T'as déjà oublié quelque chose dans la maison d'accueil? C'est pas un problème pour Mommy Longlegs. Alexa a oublié son iPad ici. Je vais le prendre. Ok. Oups! T'as oublié de signer la paperasse. Félicitations pour le nouveau membre de ta famille. Quel long bras! Ouais, bébé. Va falloir t'y habituer. Et si on faisait notre premier selfie en famille? Bien sûr, avec plaisir. Les devoirs d'astronomie, c'est vraiment compliqué. Maman sait comment t'aider. Tout est possible pour cette super maman. Voilà qu'il nous faut. À l'aide! Waouh, un vrai astronaute! Aide ma fille. Monsieur l'astronaute, voilà le truc. Il y a 6 continents sur Terre. Compris! Une bonne limonade fraîche, c'est tout ce qu'il nous faut lors d'une chaude journée d'été. Maman, viens par ici! Alexa n'a vraiment pas envie d'attendre. Il fait beaucoup trop chaud! Maman! N'en dis pas plus, chérie. Pas besoin d'attendre quand on a de si longs bras. Attends une minute, c'est pas juste! Merci, garde la monnaie! Qu'est-ce qui vient de se passer? Comment c'est possible? Excuse-moi, madame, mais on était là en premier. Pour qui tu te prends? Calme-toi, miss. C'est scandaleux. Monsieur, pour le préjudice moral. Je vous en prie. Merci, passez une bonne journée. On va tout prendre. Oh là là, j'ai jamais eu de client aussi riche avant. J'y crois pas. Allez, bébé, on doit tout boire maintenant. Pendant que Mommy lit son livre préféré, on peut facilement se faufiler avec des friandises dans son dos.
C'était trop fastoche. Mais Mommy a une ouïe très sensible. Il est temps de lui donner une bonne leçon. Je te confisque ça. Et ces chips trop grasses aussi. Tu croyais que je connaissais pas tes cachettes, hein? Tu ne peux rien cacher des mains de ta mère. Tu peux m'expliquer? Non, jette rien! Pas de cochonnerie dans la maison! Tu dois manger sainement. De la salade de concombre? C'est sain et délicieux. Beurk, dégueu! Heureusement qu'il me reste un donut. Je vois tout, jeune fille! Ok! Chacun s'occupe à sa façon pendant la pause. Danse, Guy, danse! Regarde, Alexa, j'ai Kissimissi. Sérieux? Moi, j'ai quelque chose de mieux. Regardez, c'est ma maman. Mommy Longlegs, c'est ta mère? Sois pas ridicule! Maman, j'ai besoin de ton aide. Qui embête ma petite fille? Qu'est-ce que c'est? Ah! Lizzie, tu vas bien? Oups! Coucou les enfants, Mommy est là! Je l'ai vue de mes propres yeux, sauf qui peut! Courez autant que vous voudrez, vous ne m'échapperez pas! Oh. Salut, maman! Qu'est-ce que tu fais là? Prends un ticket pour la soirée. Maman, t'as l'air bizarre. On peut rentrer à la maison? La 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 la. Allez, tends ton bras! Hey, stop, ça fait mal! Alexa, qu'est-ce que tu fais? Oups, pardon, je suis désolée, Miss. Oups. Je fais que distribuer des invites pour la soirée Poppy Playtime. Tu parles d'une journée? Je suis vraiment désolée. Alexa, on rentre à la maison. Venez à la soirée! Nos animaux de compagnie demandent beaucoup de soins et d'attention. Mais Mommy est trop fatiguée pour aller se promener. On va faire un tour, maîtresse! Ouf, ouf! Très bien, si t'insistes, je prends ta laisse. Viens voir Mommy, Fluffy! C'est génial d'avoir des bras aussi longs. Pendant que son animal se promène, Mommy peut continuer sa sieste. C'est nul de jouer tout le temps à la même chose. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire? Peut-être que Mommy peut jouer avec Alexa? Tu m'as appelée, chérie? Je m'ennuie! On joue à cache-cache? Mommy est prête à s'amuser! 1, 2, 3, prête ou pas, j'arrive! Où est ma Alexa? Peut-être qu'elle est là? Je vais te trouver! Alexa, t'es où? Où elle est passée? Ah, je sais! Mommy arrive! Ah, tu m'as trouvé! Maintenant, à mon tour! 1, 2, 3. C'est l'heure de faire une promenade en famille. Regarde, maman, un écureuil! Mais tomber sur une vieille connaissance risque de ruiner tous leurs plans. Salut, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Ouais, j'ai trop de trucs à te raconter! Maman, t'es où? J'y crois pas! Oups, il y a un petit souci. Désolée, chérie, je dois y aller. Ma puce, je suis tellement désolée. Fais de beaux rêves. Maman t'aime. Demain, c'est l'anniversaire de maman. Oh, j'ai complètement oublié d'acheter un cadeau. Réfléchis, Alexa. Peut-être une nouvelle brosse à cheveux? Non, c'est trop bidon. Ma chérie, t'as quelque chose en tête? Mommy adore faire plaisir à sa fille. Serre-toi, bébé. Il y a plein de choses. J'ai préparé une tonne de repas. Bon appétit, bébé. Maman adore cuisiner. Je crois savoir ce qui pourrait lui plaire. Joyeux anniversaire, maman. J'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un hachoir vintage? Je vais m'évanouir! Eh bien, game over! Maman, mais qu'est-ce qui t'arrive?
Oh non, comment j'ai pu oublier? Maman déteste les hachoirs. Ah! Elle était là. Oh, comment j'ai pu oublier? Viens voir, Mommy, ma belle. Maman, on dessine ensemble? Je peux pas, chérie, je dois aller bosser. Non, s'il te plaît, t'en vas pas! Alexa, arrête! Non, je te laisserai pas partir! On va installer des chemins de fer ici. C'est une excellente idée, Madame Mommy. Je sais! Attention aux guillis! La situation de cette usine est un peu... chatouilleuse! Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas. Ok, tout va bien. On peut continuer. Oh non! Bon, très bien. Chérie, je suis venue dessiner avec toi. Faire des activités artistiques ensemble, ça rapproche. Pendant ce temps, Mommy essaie de résoudre des problèmes importants. Super, je vais l'accrocher dans ma chambre. Ah, laissez-moi tranquille! Pas question, prends ça, espèce de loseuse. Tu sais quoi? On va t'accrocher là. Maman, aide-moi! Quoi? Mais pour qui ils se prennent? T'inquiète pas, ma chérie. Maman va tout arranger. Tu ne m'échapperas pas, toi. Quoi? Personne s'en prend à ma fille. Au secours, mon nez! Hé, la rouquine! Mommy va s'amuser avec toi aussi. Bye bye! Tu vas bien, chérie? Maman t'aime. Je t'aime aussi. Coucou, monsieur Nounours. Coucou, monsieur Canard. Câlin. Chérie, j'ai une surprise pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Devine qui est ton nouveau petit frère. Quoi? C'est une blague? Tu vas le rencontrer tout de suite. Allez, viens ici. Non, non, j'ai peur. Dis bonjour à Aggie Waggy. Waouh, coucou, monstre bleu. Je savais que vous deviendrez copains. Mes enfants adorés.